You told me more than once to show you my intention. My brain gets blocked at times, but now somehow I'll give you my attention. You've got to know that I ain't a person who understands all the clockwork of a romance. About nothing else other than you. I always thought I'd be waiting, waiting in vain, but suddenly there you were. Never thought it'd be easy to feel you in my arms, but now we're here and I'm all in, and I wanna buy you, 'cause I can stay till the morning, stay till the dawn, but just hold me now. I wanna be so much better whenever you're around. I wanna say something clever to get in your mind, 'cause right now we're not together, and I lose my way then. Oh, I feel so much better whenever you're around, whenever you're around. Je vous prends dans ma salle de bain ce matin parce que je voulais vous parler de... Je vous ai dit cette semaine que j'étais en train de tester des produits pour mes cheveux, une nouvelle routine capillaire pour mes cheveux. Je suis complètement conquise, donc je voulais à tout prix vous en parler. Alors, c'est les produits, je les ai reçus gratuitement, mais franchement... Voilà. Je pense que je vais continuer avec ces produits parce que c'est vraiment, alors vraiment, ce qui correspond à mes cheveux, quoi, en fait. Enfin, je sais pas, vous pouvez le voir, quoi, en fait, hein, mes cheveux, ils ont retrouvé, et encore là, ils sont pas encore complètement secs, mais mes boucles sont dessinées, ils sont hydratés. Alors, vous savez que j'ai eu énormément, enfin, si vous nous suivez depuis un moment, j'ai eu des gros soucis de santé qui ont fait que j'ai perdu énormément, énormément de cheveux. Ils ont eu du mal à repousser, ils repoussent, mais leur texture a complètement changé, ils sont devenus beaucoup plus fins, beaucoup plus fragiles, donc du coup j'essaye d'en prendre soin et je teste et j'essaye aussi de me les réapproprier parce qu'ils étaient frisés avant, mais pas aussi frisés, et quand on passe de nature de cheveux qui est complètement différente, on n'a plus les mêmes repères, les mêmes habitudes, et j'ai eu du mal à accepter mes boucles, et c'est pour ça qu'au tout début des vidéos, vous me voyez souvent, quand j'ai commencé YouTube, vous me voyez souvent avec les cheveux attachés, parce que j'avais du mal avec ces cheveux, quoi, en fait, déjà parce que j'en avais plus, parce que j'avais du mal à me les approprier, ça me correspondait pas, quoi, en fait, j'avais dû les couper parce que les cheveux longs, ça faisait tout fin, tout ça faisait pas beau, j'avais dû me résoudre à les couper, et puis du coup quand je les coupais, ben je pouvais plus les attacher, enfin voilà, j'ai eu du mal à me les... voilà, à me réapproprier mes cheveux, à aimer mes cheveux, je me suis rendu compte... En fait, en les attachant tout le temps, en faisant tout le temps une queue, parce que je faisais une queue bien tirée ou un chignon bien tiré, eh ben je leur faisais plus de mal qu'autre chose, quoi, en fait, et que le mieux c'était que je m'accepte avec ces cheveux frisés et que je les aime, quoi, en fait, ces cheveux frisés. Et en fait, ben je les aime, ces cheveux frisés. Et là, franchement, je les aime de plus en plus. Et oui, enfin voilà, voilà. Alors, cette marque de produits, c'est la marque Pomelo Eco. C'est une marque new-yorkaise, c'est une marque vegan naturelle. En fait, leur politique, c'est de... tout ce qu'ils veulent, c'est du vrai, de l'authentique. En fait, ils vont retirer tout ce qui est néfaste dans les shampoings pour se consacrer
sur les produits qu'ils ont un max d'efficacité. Donc du coup, ils éliminent tout le superflu pour donner la place à des bonnes choses en fait dans leur shampoing. Ben, ils ont retiré les parabènes, les sulfates, les silicones, et etc. etc. De résultat, on a des produits avec un effet immédiat. C'est agréable à utiliser. Ça sent bon, l'odeur est top, ça sent, je sais pas comment vous expliquer, mais les produits, on sent que c'est pas chimique, vous voyez le parfum, on sent que c'est naturel, que voilà, c'est pas entêtant, ça sent bon, c'est efficace, et du coup ça rend le shampoing et le soin des cheveux agréable. Alors, vous irez voir sur le site, mais vous allez forcément trouver un produit qui correspond au type de cheveux que vous avez. Alors moi j'ai un cheveu qui est donc en repousse, mais il y a une repousse qui est, enfin voilà, j'ai des cheveux fins. Pour un cheveu frisé, souvent quand on a les cheveux frisés, on a les cheveux épais, moi ils sont fins, donc j'ai besoin de quelque chose. Alors comme mes cheveux sont frisés, ils sont un peu, ils ont besoin d'être nourris en fait aux pointes. Mais comme ils sont fins, si je les nourris trop, ben ça les alourdit et du coup ils frisent plus. Et ça graisse mon cuir chevelu. Alors j'ai pas forcément, j'ai des cheveux normaux, ils sont pas, j'ai pas des cheveux gras. Mais si j'utilise des produits qui sont trop riches, alors mes pointes vont être nourries, mais j'aurai plus ces belles boucles parce qu'en fait ils retombent parce qu'ils sont trop lourds. Ça alourdit en fait mes cheveux, le fait qu'ils sont fins. Donc c'est toute une problématique en fait pour moi de trouver des produits qui ont cette légèreté pour mes cheveux, mais qui les nourrissent quand même au niveau des pointes pour avoir de belles boucles. Et en fait, avec Pomelo, j'ai trouvé les produits qui me correspondent, qui correspondent à mes cheveux, quoi, en fait. Donc, je vais vous montrer un petit peu les produits que j'ai reçus. Donc, j'ai reçu en premier, c'est un soin à faire une fois par semaine. C'est un traitement capillaire, donc c'est avant shampoing. On en met un petit peu, alors il faut le mettre un petit peu au frigo, parce que c'est un mélange d'huile, en fait, à l'intérieur. C'est du thé vert et de l'huile de graines de chanvre, donc si vous le mettez pas au frigo, c'est liquide, donc pour que ça soit malléable, enfin que vous arrivez bien à l'en mettre sur vos mains et sur vos cheveux surtout, ben il faut le mettre 10 minutes au frigo, vous l'appliquez sur vos cheveux et vous laissez agir au moins 30 minutes. Donc ensuite on passe au shampoing. Donc moi c'est le shampoing exfoliant, alors il faut en mettre très peu, il mousse très bien. Et ça, ce qui m'a vraiment étonnée, c'est que vous voyez, on met de l'huile avant avec le masque, et souvent quand on doit laver nos cheveux après d'un bain d'huile, on doit les laver 2-3 fois. Là c'est pas du tout le cas, un shampoing et très peu de produits suffit à enlever, enfin à bien laver les cheveux, quoi, en fait. Et l'odeur, alors l'odeur, ça sent le frais, ça sent un peu le melon, je dirais. C'est vraiment très agréable, et on sent, comme je vous ai dit, quand on les applique, on sent vraiment que c'est pas chimique, quoi, en fait. Voilà, ça sent le frais, c'est trop, voilà, bref. Donc ensuite on a un après shampoing, un conditionneur en fait, donc c'est un après shampoing nourrissant. C'est à base à base d'huile naturelle et d'extrait de feuilles de bouleau. Donc on applique un petit peu sur les pointes, on laisse agir 2 à 5 minutes, puis on rince. Et vous allez voir, vous allez avoir des cheveux qui sont soyeux, mais sans alourdir vos cheveux, ça redonne des belles boucles, ça lisse, donc en même temps, donc fini les frisottis comme pour moi. Pour terminer cette petite routine capillaire, le quatrième produit, c'est celui-ci. Hop, je sais pas, voilà. Alors, c'est un sérum avec ça se fond. Une petite pipette comme ça, alors il faut pas en mettre beaucoup, hein. On met juste une petite pipette comme ça, quelques gouttes. Ça se met sur les cheveux propres et secs. Tous les jours, on met juste quelques gouttes comme ça. Comme je vous ai dit, une petite pipette comme ça, on vient mettre les petites gouttes par-ci, par-là. Et on vient masser. Donc là, j'en ai pas mis, je vais le mettre avec vous. Et en fait, ce produit, ça va donner, donc ça va être des micro-algues dedans, de la caséine, de l'aloe vera, et ce produit va donner l'apparence de cheveux plus forts, plus volumineux. Vous avez des cheveux qui sont plus denses et plus sains, en fait. Et voilà, comme je vous l'ai dit, j'en ai pas mis beaucoup, je viens masser un petit peu. Alors moi j'ai vraiment plein de petites repousses, je ne sais pas si vous voyez, donc c'est un bon signe, hein, je le prends bien, mais ce qu'il y a, c'est que voilà, du coup il faut savoir les dompter, ces petits cheveux. Mais voilà, franchement, alors je ne sais pas si vous voyez la différence sur mes cheveux, mais j'adore, je suis vraiment conquise par ces produits.
n'hésitez pas, allez voir sur le site. J'ai un petit code promo surprise pour vous. Donc allez cliquer, allez voir. Ça va vous permettre d'avoir ces produits à un prix, enfin à moindre coût, quoi, en fait, à un prix abordable. Donc allez-y, allez voir. Je vous laisse aller, aller fouiller sur le site. Je vous dis, vous allez forcément être conquise par ces produits. Ouais. Moi, ça se voit, quoi, en fait. Ça se voit. Je sais pas si vous voyez. J'ai du volume. J'ai mes boucles qui sont bien dessinées. Elles sont brillantes. Elles sont bien hydratées. Voilà. Je... Enfin, en fait, ça, les images parlent d'elles-mêmes, quoi, en fait. Je suis vraiment conquise. Bref, voilà. Je vous laisse en lien, en barre d'infos. Allez jeter un petit œil. Voilà. Et testez. Et dites-moi. Si vous testez, dites-moi ce que vous en pensez, vous. Alors, aussi. Mon code promo, c'est Sandra YT. YouTube, en fait. Donc Sandra YT, collé, pour avoir une petite remise surprise. Allez voir en barre d'infos. Alors, pour l'avoir vécu, je sais... que quand on perd nos cheveux, quand on... En fait, que les cheveux font partie de notre féminité. On s'en rend pas forcément compte jusqu'au jour où on a un souci. Et quand on perd une partie de cette féminité, quand on se regarde dans le miroir et qu'on voit ce changement, on perd la confiance, en fait, qu'on a en nous, en fait, ça joue énormément sur notre confiance. Quand le reflet du miroir est qu'on se sent bien avec ça, on est boosté et voilà. Et on a tous tendance, avant une réunion, avant un rendez-vous, à regarder ce reflet. Et quand on voit que le reflet, que l'image qu'on a de nous et nous correspond à nous, on est content, quoi, en fait. Donc la routine, cette routine là. Quand je me regarde dans le miroir, je vois des belles boucles, des boucles dessinées, hydratées et tout. Et du coup, ça joue sur cette confiance que je peux avoir en moi, quoi, en fait. Ça me refait aimer mes cheveux. Voilà. Et je sais que c'est important. Donc voilà, je voulais juste faire une petite parenthèse là-dessus. Du coup, je vous laisse aller... En barre d'infos si vous souhaitez avoir de plus amples renseignements et aller voir la petite surprise que vous accordera mon code promo. Ça m'a fait un petit peu remonter des sentiments que j'essaye de... Voilà, et des souvenirs que j'essaye d'oublier. N'empêche, souvent quand on est maman, on a tendance aussi à s'oublier un petit peu et c'est important d'avoir ces petites routines là qui nous obligent aussi à prendre soin de nous. Faut pas qu'on s'oublie dans tout ça, hein. Vous savez que les deux mamans, c'est un rôle tellement important, le rôle de maman, qu'on a tendance à s'oublier. Mais quand nous on est bien, je vous l'ai déjà dit, hein, ça, mais quand nous en tant que maman et en tant que personne, en tant que femme, on est bien, ben ça joue sur tout, quoi, en fait. Parce que nous, on n'a pas le droit de faiblir. Je vous l'ai déjà dit, hein, on est le pilier, on est au milieu, et si on faiblit, tout il s'écroule. Donc pour pas qu'il plie ce pilier, il faut en prendre soin, il faut prendre soin de nous, et ça passe par ces petits moments qu'on s'accorde à nous. Allez, je vais continuer mes desserts d'hier. Super transition, Sandra. Alors, on y va. Je vais commencer par faire mes meringues. Alors, je vais pas les faire cuire tout de suite parce que j'ai mon repas pour ce midi qui est dans le four. Le même que d'habitude. On change pas le dimanche, ça reste pour l'instant. Poulet rôti. Donc, du coup, là, je vais faire mes meringues. Une fois que mon poulet sera cuit, j'aurai juste à les enfourner. Donc, pour les meringues, c'est pour les étonnes. Donc, en fait, on va les... une fois qu'elles sont cuites, on vient venir les écraser dans une verrine. On ajoute de la chantilly, des petits fruits. Donc nous, ça sera des framboises. Heureux, une couche de meringue écrasée, chantilly, petits fruits. Pour les meringues, moi j'ai une recette qui est très simple. Je pèse mes blancs d'œufs. Donc comme là, c'était des blancs d'œufs que j'avais mis au congélateur. Donc j'avais 5 blancs d'œufs, mais je les pèse. Donc là, je les ai pesés, ça fait 160 grammes. Je double la quantité de sucre. Donc il va me falloir, chérie, 160 divisé, multiplié par 2. Ouais, t'as essayé vite. Bien, 320 watts. Calculatrice ambulante. Hop. Donc du coup, je vais commencer à monter mes blancs en neige. Et une fois qu'ils commencent à monter en neige, je viens
les serrer avec le sucre. Alors quand ils sont bien montés en blanc, je continue en neige, je continue à mélanger et j'ajoute le sucre un petit peu à la fois. Ça va les serrer. Donc une fois que c'est fait, on les a bien serrés, puis ça fait ce qu'on appelle le bec d'oiseau. Alors est-ce que... Non, vous voyez pas bien. Vous voyez, ce qu'on appelle le bec d'oiseau. En fait, c'est quand on fait ça, hop. Ensuite, je mets dans une poche à douille avec une douille et puis je vais venir... alors là, je vais faire des grosses meringues en fait qu'on viendra émietter. Alors pour les faire, je sais pas si vous voyez le mouvement. Vous faites comme des vagues. Alors laissez un espace hein, parce qu'elles vont gonfler. Vous faites monter, vous descendez et vous avez une pression toujours constante en fait sur la poche. Alors, meringue faite. Je vais attendre là, on va manger. Je vais attendre pour les enfourner. On voulait aller balader cet après-midi, on voulait faire une petite randonnée avec Greg, tester nos nouvelles chaussures et tout et tout. Mais il fait un vent de fou, on a une tempête en fait dehors, on a l'impression il pleut, il fait du vent. Donc on va quand même aller se balader parce que j'ai acheté un caou et tout, de quoi, voilà. Et puis on a les chaussures adéquates. On va aller affronter le vent et puis voilà, mais on va faire une plus petite balade quoi. On va pas partir en randonnée, voilà, on va pas aller marcher pendant des heures quoi, en fait une petite demi-heure, trois quarts d'heure dehors, ça nous fera déjà du bien et puis ça fera du bien à Marley aussi. Donc là on va manger et après manger il faut que je m'occupe des petites crèmes que j'ai fait hier, les panna cotta que j'ai fait hier. Donc là vous voyez, ils ont bien pris, du coup on a un V. Et ce V là, moi je vais le combler avec du coulis de passion. Voilà. C'est joli dans les verrines. Ça tient bien. Et voilà, du coup, comme ça, mes desserts ils seront finis pour aujourd'hui. Enfin, pour cette semaine. Et puis il va falloir aussi que je commence à monter la vidéo aussi. Enfin, cette vidéo que je suis en train de filmer parce qu'il va y avoir du montage, je pense. On a mangé. J'ai mis mes meringues dans le four, donc il faut compter une heure à faible température. Là, c'est moins de 100 degrés. Parce que trop mal, elles vont colorer. Et là, je suis en train de faire du coup mon petit coulis pour mettre sur mes panna cotta que j'ai fait hier. Donc, j'ai pris une purée fruits exotiques. Je vous avais dit, hein, je l'achète au grossiste à côté de Famille Flora pour celles qui sont de la région chez Rameau. Ils font plein de sortes de fruits. Donc là, je fais plein de sortes de coulis, de purées comme ça. Enfin, c'est pas des coulis, c'est des purées. Là, du coup, je suis en train de faire un coulis. J'ai mis 250 g de cette purée avec 50 g de sucre et un tout petit peu d'agar-agar. Une demi-cuillère à café, donc un petit peu près un gramme. C'est pour gélifier un petit peu le truc pour que ça prenne bien au-dessus de mes panna cotta. Et ça, comme une fois que c'est attamé, ça se conserve, je pense, une semaine ou 15 jours au frigo pour pas le gâcher. 12 jours au réfrigérateur. Je vais le mettre dans des petits bacs, dans des sacs à glaçons comme ça, et je vais les mettre au congélateur. Comme ça, quand j'en aurai besoin pour mettre sur un, pour faire un coulis, mettre sur un dessert, dans un yaourt ou quoi, ben j'aurai juste à sortir le nombre de glaçons que j'ai besoin. Ça évite de gaspiller. Voilà. Par contre, je vais avoir besoin de deux mains. Qu'est-ce qui va venir me donner un coup de main pour tenir? Est-ce que je vais y arriver? J'ai mis mon coulis. Vous voyez ce que ça fait du coup? Une ligne comme ça. Je vais les mettre au frigo. J'ai mis le reste de purée dans les sacs. Mais je pense que je vais acheter des bacs à glaçons parce que la purée est trop épaisse. Ça a du mal à passer dans le trou et glisser jusqu'au fond des sacs là, en glaçons. Ça risque, voilà, ça va être compliqué. Donc du coup, là j'ai fini par mettre les autres dans des petits gobelets en pesant 100 ml parce que j'en mettais plus à côté qu'autre chose, donc là je gaspillais. Donc les prochains, je vais acheter des bacs à glaçons. Voilà. Alors le ciel est en train de s'éclaircir. On a l'impression que le vent s'est calmé. Donc on se demande si on n'irait pas promener Marley tout de suite, faire une petite balade pendant que... Voilà, il pleut pas. On va peut-être faire ça. Mais bon, je vais aller me changer. Je vais aller m'habiller un peu plus chaudement. Ah oui, et les meringues, moi, ce que je fais, c'est qu'une fois l'heure passée, j'éteins le four et je les laisse à l'intérieur. Elles vont continuer à bien sécher. Et elles ont bien gonflé, elles sont belles. Et le pire, c'est que c'est pour les réduire en miettes. On va les écrabouiller, c'est pas grave.
On est prêt. On s'est habillé. On va y aller du coup. Il y en a un, il a vu qu'on commençait à s'habiller, on s'est pris. Hein? J'ai piqué les trucs à Stécie quand elle faisait du foot là. Les trucs, vous voyez, thermo, je sais pas quoi là, tu viens avec? Non. Comme ça, j'aurais pas froid. Allez, on y va. On va aller se balader en espérant que le temps reste comme ça. Pour l'instant, il pleut pas. Puis de temps en temps, on a des beaux rayons de soleil. Did you ever stop and think why spend too much time just getting ready? Let me be honest, I don't know a single thing that I haven't done to make you notice me. Let me be real here. When I see you, my heart starts racing, but I don't know if I like this chasing and playing and waiting around. It's a shame that my hands start shaking all of the time when you're around me. But this time, this time. Marley s'est éclaté dans la gadoue et dans les flaques d'eau et dans l'eau en général. Hein? C'était bien, bien boueux, mais bon, on n'a pas eu de pluie. Il y a le vent, mais pas la pluie. Donc cool, c'était une belle balade, ça nous a fait du bien. On a pris un petit peu de frais. Par contre, nous aussi, on est aussi crassouilleux que Marley. Les gadoues partout. En tout cas, on les a bien étraînées, ces chaussures. Et elles vont super bien. J'avais chaud aux pieds, pas froid aux pieds et tout. Et j'avais pas les pieds mouillés. Donc ça, c'est cool. Bon, allez, on va goûter un petit bout. Et un petit café. Je me suis fait un morceau de faluche avec du beurre et de la vergeoise à l'intérieur. On va aller se mettre devant la télé un petit peu. Ensuite, je pense que Marley va aller prendre une petite douche. Parce que je vais avoir peur qu'il aille sur mon canapé vu comment il est crassouilleux. En plus, l'eau, elle sentait pas très bon. Elle se faisait un peu au croupi. Donc voilà. Oh, il va aller prendre une petite douche. C'est mieux. On est en train de faire les petites routines du soir. J'ai lancé les frites aussi. Alors, juste les loulous qui vont manger des frites avec. Enfin, l'américain. Avec Greg, on va manger le reste de la pizza d'hier. On avait pas trop faim en fait hier soir. Et du coup, il en reste beaucoup. Donc, on va manger ça. Tiens chérie, souvent dimanche soir c'est cool hein, devant la télé, devant Scandale. J'ai commencé aussi à monter la vidéo et à faire voilà quelques petites enfin le montage quoi en fait. Hop,
Et je pense que je finirai. Mon chien. Ouais. C'est bizarre, mais quand il t'énerve, c'est le mon chien. Et quand il m'énerve, c'est ton chien. Et quand il est gentil, tu dis toujours c'est mon chien. C'est comme les gosses en fait. Ouais. Quand ils sont sages, c'est les miens, oui. Quand ils sont méchants, c'est les tiens. Hein? Qu'est-ce qu'il a fait ton chien? Mais il a dégueulassé l'entrée. Voilà. Et le pire, c'est que je viens de le faire. Cette semaine, c'était la zone. Je l'ai fait entièrement. J'ai même frotté les murs pour toi. Il était tout penaud dans la douche, il bougeait plus. Hein? Un gros peu peur là. Vous allez dans la gadoue. Hein? Heureusement qu'on l'aime. Hein, chérie? Hein? Le chien. Pas de colle de service, ouais. Pas de colle de service. Ah là, il était bien dégoûtant, n'empêche. Hein. Puis puer la vase. C'est moi qui l'ai laissé aller. Bon, il aime bien, il s'éclate dans la gadoue. Hein. C'est pas grave, ça se nettoie. Bon, allez, petit apéro. Puis ensuite, on va manger sa petite pizza. Continue, regardez la scandale. Là, ça y est, à un moment, Greg commençait un petit peu à décrocher. Voilà, parce que c'était je t'aime, je t'aime plus, ça devenait un petit peu gnangnan. Mais là, ça revient là où c'est les élections présidentielles et puis ça revient à la... Hein? Mais franchement, c'est bien. Il y a un peu de tout en fait dedans. Il y a du suspense et tout. Pas de tuto. Un petit peu aussi. Il y en a un petit peu. Ah non, on voit rien. On ne voit même pas un nigné. Il est bête, lui. Oh là là. Allez, on va sortir. Tu veux quoi comme apéro? Ma petit apéro. Greg est en train de m'ouvrir une bouteille de vin blanc, un loupiac. J'avais envie de un petit vin. Un petit verre de vin ce soir. Engagement total. Bon, avec de la pizza, ça le fait pas trop, mais bon. Hein? Waouh, le verre. Et généreux. T'es généreux, chérie. Excellent boulot, bravo tout le monde. Merci à tous. Je sais que vous n'êtes pas très calme. Non, mais t'inquiète, hein. Quoi? Tu dis, hein, je vais te laisser tranquille. Hein. Il disait toujours que ma grande gueule me vaudrait un tas d'ennuis. Mais je risque de ronfler. Bon, allez, à manger. Et puis. Ouais, mais j'ai mal au dos, chérie. Ce soir, tu vas pouvoir me faire un petit massage. Ouais. Vous portez le même vernis que la main tremblante. T'es gentil. Il fallait qu'elle soit en colère, on devait la mettre en rage. Et tu fais quoi, toi, là? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Ok, attends l'apéro. C'est vrai en plus. Hein, t'attends l'apéro? Angel, il connaît. Hein? Hein, Angel, il connaît le nom apéro, Marley. C'est quoi que tu bois? C'est une drogue de couleur, ce truc? T'as mélangé quoi et quoi? C'est bizarre, non merci. Non, ça va. Je sais pas ce qu'il a fait dans son verre. Il a mélangé du jus d'orange avec du coca ou je sais pas quoi. Ça fait une couleur un peu verte, là, bizarre. Ils ont des drôles de lubies, à deux moments, les ados. Je sais que si vous voulez que l'inadmissibilité soit annulée, vous allez devoir dire au service de l'État. Moi, j'attends le saucisson. Le saucisson. C'est grave, on dit apéro, pouf, c'est le premier à s'asseoir là sur le canapé. Et il regarde ce que tout le monde fait et il bave entre deux. Cochon, c'est mon canapé là. Non mais. T'es bien comme notre maître. Bah, comme ton maître, ouais. Allez, à la vôtre. On soupe limite tête à tête. Il manque la chandelle, chérie. Hein? Allume la bougie. À deux. Et les enfants, ils sont tête à tête là-bas, eux. Bon, pizza. Et puis, scandale. Allez, on va manger. Puis, je vais vous laisser là. Je vais vous faire des bisous. Puis, je vais vous dire à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous, à demain. Than once to show you my intention. My brain gets blocked at times, but now
Somehow I'll give you my attention. You've got to know that I ain't a person.